Il sera le plus jeune ministre de l'histoire de l'Autriche. Cheveux blonds gominés, Sébastien Kurz, 27 ans, sera investi ce lundi ministre des Affaires étrangères. Membre du Parti populaire autrichien, il était jusqu'ici secrétaire d'État à l'intégration. Son manque d'expérience diplomatique et le fait qu'il n'ait pas terminé ses études suscitent déjà la polémique. Après 10 semaines de négociations, les sociaux-démocrates et les conservateurs ont finalement trouvé un accord pour reconduire un gouvernement de grande coalition. Michael Spindelegger, chef de file des conservateurs, a présenté vendredi son équipe. Lui conserve son poste de vice-chancelier et devient ministre des Finances. Le social-démocrate Werner Faymann reste quant à lui chancelier. Les deux grands partis autrichiens gouvernent ensemble depuis 2007. Lors du dernier scrutin, ils étaient menacés par la progression du parti d'extrême droite qui a obtenu 20% des suffrages, faisant quasiment jeu égal avec les partis traditionnels. Aujourd'hui, cette formation est en tête dans les sondages.